Shinsu Exchange. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment effectuer un dépôt afin d'acheter ton pack de staking. Voilà. Mais avant cela, nous allons parcourir directement les différents packs. Dans les différents packs, voici les différents packs ici. Les différents packs, je vais prendre ces différents packs. Le pack de minimum de 50 dollars. Attends, je vais traduire cela en français pour que ce soit plus facile au niveau de la compréhension pour la communauté francophone. Voilà. La durée du staking ici est de 9 mois et 18 mois. Voilà. Donc, voilà le rendement. 9 mois, c'est 6%. Et 18 mois, c'est 8%. Et la limite ici est de 400%. Voilà, donc 400%. Donc voilà les différents packs. Donc ça va de 50 jusqu'à 25 000 dollars. Les différents packs d'investissement dans ce projet. Donc ici, il est question d'investir en dollars, gagner des shinsu et les convertir par après. Voilà, il faudrait qu'on essaie de regarder le prix actuel du shinsu, le prix actuel. Les prix actuels du Shinsu. Le prix actuel, on va aller au niveau du back office. On va au niveau du back office, voilà. On est au niveau du back office ici. Là, ce sont les différents éléments à télécharger. Voilà, on va rentrer au niveau du. Voilà, on va rentrer au. Pardon. Au niveau de bonus, au niveau des deposits, ici, là. Comme j'ai pas encore eu à payer, parce que là je vois quelques informations ici là. Ça c'est des informations liées au bonus. C'est des informations liées au bonus. Donc là je n'ai encore rien. Voilà, comme j'ai pas encore investi dans ce projet, voilà, il est question que j'investisse d'abord pour ouvrir comme ça mes différentes positions. Voilà, donc je vais investir, je vais directement cliquer sur déposer de fonds. Déposer de fonds, une fois que je clique sur déposer de fonds, je viens ici, je vais mettre comme ça 50 dollars. Je vais mettre comme ça 50 dollars, je vais mettre même 51 dollars, 50 dollars, non 50 dollars, non 51 dollars, voilà, 51 dollars. Je vais choisir maintenant le mode de paiement, je vais choisir l'USDT TRC20, voilà. Parce que j'aime bien l'utiliser. TRC20, c'est fait. Et je confirme. Il va m'envoyer directement. Il va m'envoyer aussitôt. Voilà. Il va me demander de scanner le QR code de paiement. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais copier le montant ici. Je copie ce montant-ci rapidement. Je copie ce montant-ci. Je copie ce montant-ci. Je vais aller directement sur. La plateforme avec laquelle je vais payer avec Binance, une de mes plateformes sur Binance ici. Je vais payer avec Binance ici, je vais payer avec Binance ici. Depuis, je vais faire un retrait. Je clique là sur retrait. C'est du retrait fiat. Ok, non, retrait. Voilà, c'est retrait crypto ici. Voilà, retrait crypto. Je vais coller l'adresse. L'adresse USDT, c'est bon. Voilà, je viens ici. Je vais choisir le réseau. Le réseau, c'est le. Tron, c'est USDT Tron RC20. Ok, ça va, les frais sont très minimes. Voilà, minimum 5 minutes. Je confirme, c'est bon. Voilà, et je mets ici 51 dollars. Ça va, pour moi, ça va. Je vais recevoir 52 dollars. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Une fois que c'est fait, portefeuille spot. Ok, c'est bon. Voilà, portefeuille spot. Voilà, portefeuille spot. Ça va, ok, c'est bon, il y a du financement là. Ok, une fois que c'est fait, je vais cliquer sur retrait et je vais passer la sécurité et je vous reviens. Voilà, je clique sur retrait. Donc voici ici, voici le récap là, voilà l'adresse de Shinsu ici qu'on voit. Voilà l'adresse de Shinsu qu'on voit. On voit bien le réseau ici, le portefeuille est là, la monnaie, la USDT, voilà le réseau. USDT Tron, ok, c'est bon. Voilà, je vais cliquer sur confirmer. Je passe la sécurité. Voilà, et je vous reviens. Ça va, j'ai finalisé la transaction. La transaction est partie. On va attendre juste 5 minutes. En 5 minutes, la blockchain aura déjà vérifié et validé le paiement. Voilà, entre temps, je vais rentrer chez Shunsi ici. On va rentrer là. On va attendre.
On va rentrer là, on va attendre ici, on va attendre. On va attendre, on va attendre, on va attendre, on va attendre, on va rentrer là. On va rentrer ici, là, on va attendre. On revient ici au niveau du dashboard. Au niveau du dashboard, au niveau du dashboard ici, là. Au niveau du dashboard, voilà, je n'ai pas. Voici le prix de la monnaie. Actuellement, la monnaie est à 5,0. La monnaie est à 5,0. Il y a de cela, il y a de cela. Il y a de cela combien de mois? Il y a de cela 2 mois, la monnaie était à 6,0. La monnaie est à 5,0 actuellement. Elle ne fait que prendre la valeur. Elle n'est pas encore listée sur les plateformes d'exchange. Voilà, donc on se positionne. On se positionne. Voilà, ce qui fait que si je m'étais positionné depuis dans ce projet, mais bon, comme je n'avais pas encore assez fait des recherches là-dessus, voilà, je me suis décidé aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Je veux prendre quelques millions de pièces. Aujourd'hui là, voilà, donc j'attends que le fonds arrive au niveau de la balance. Et si le fonds va arriver là, et je vais acheter directement mon pack avec. Voilà, voici le prix d'un Shinsu. Voilà, donc, et également il y a un programme de référencement. Donc si tu souhaites participer au projet, je laisserai le lien en description de cette vidéo et tu pourras comme ça l'utiliser pour te positionner. Mais ayant d'abord au préalable fait tes propres recherches. Voilà, parce que ici c'est un projet de staking. C'est un projet de staking. On va aller sur si tu te vois quelques informations là. Voilà, le paiement est passé. Je viens de recevoir la confirmation de Binance que le paiement a été validé. Le paiement a été validé. On va voir, on va attendre quelques instants. Le paiement a été validé. Voilà, on va attendre quelques instants. On va un peu actualiser. On va un peu actualiser ici, là. On va un peu actualiser. On actualise un peu là. On actualise un peu ici, là. On actualise un peu là, on actualise, ok, on actualise, ok, c'est bon, on a actualisé. Le fonds ne soit pas encore là, l'argent n'est pas encore arrivé, non, l'argent est là, voilà, le fonds vient d'arriver, vous voyez, c'est même pas la transaction a duré environ, la transaction n'a même pas duré, ça, la transaction n'a que fait, la transaction n'a que fait, ça il n'y a que eu autour de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, je pense qu'il y a eu 2 minutes, 2 minutes dashboard. Je pense qu'il y a eu 2 minutes au niveau. Oh, la transaction s'est déroulée en 2 minutes. Voilà, les fonds sont déjà là. J'ai le fonds en USDT. J'ai mes fonds en USDT ici, là, qu'on voit ici. Voilà, mes 50 avant. Voilà ce que je veux faire. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment investir rapidement. Voilà, donc pour vous montrer comment acheter son parc. Voilà, c'était juste pour expliquer cela aux uns et aux autres. Donc les gars, lorsque je l'ai dit sur le projet dont vous parlons, faites vos propres recherches, faites votre audio et positionnez-vous. Alors car l'écosystème des crypto-monnaies est soumis à une volatilité extrême et le risque est imminent. Donc faites votre audio. Bye bye.